cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission que vous remet en pile là. Émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Dans l'émission Bien-être et Beauté, chaque semaine, nous venons avec un sujet qui intéresse nous sous domaine public là, généralement, et des fois sous une planification qui a un rapport avec le thème que nous gagnons, qui c'est Bien-être et Beauté. Jodi an émission bien-être et beauté n'a parlé de choix professionnel, comment vous capable joindre bien-être par rapport à choix côté fait depuis l'autre l'école pendant on va apprendre métier. Mais avant que nous présenter nous inviter nous pour une petite causerie ça, n'a commencer par la pensée de la semaine. Pour résoudre vos problèmes, habituez-vous à vous élever chaque jour par la pensée. Pour nous parler de choix professionnel, perspective, bien-être, nous gagnons avec nous un acteur, Smoy Noisir, qui passe de présentation, que je n'ai pas même besoin de demander pour le présenter. Je m'a seulement dit pour saluer le public là, et nous sommes bien contents de regagner encore l'émission Bien-être et Beauté. Oui, en effet, Léonie, ça fait deuxième passage moins Bien-être et Beauté. Oui. Et déjà, je commence à profiter de Bien-être là sous plateau. Mm-hmm. Donc, c'est une belle occasion pour nous saluer tous les amis qui suivent nous. Et qui pourra être avec nous pendant un temps que l'émission a duré. Ah, okay. Merci. Je connais ce public là, Raymond en pile. Laisse-moi te dire ça. Est-ce qu'on est public haïtien, Raymond Smoy Noisir en pile? Comme vous dites ça, Koulia, me confirmez. Oh! Non. Faut qu'on ça. Non parce que moi-même, depuis souvent, nous-mêmes haïtiens, nous sommes gens chiches pour nous. Ou bien, pas qu'on est son bail culturel pour nous t'avoir. Moi, je connais ma pression en pile, Raymond en pile. Bon, c'est vrai. Comme si nous avions dit l'autre monde ça. Oui, il n'y a pas. Éduquer nous pour l'abondance, mm-hmm. sur les plus éduquer nous pour la carence, mm-hmm. et y a pas éduquer nous pour applaudir avec chaleur, mm-hmm. et y a invité nous très souvent pour nous et freiner ça nous sentir, mm-hmm. pour nous oui c'est vrai parce que si on garde son paraître les jours c'est moi nous dire qu'on est ma pression pile tel film où t'es joué tel sport où t'es fait me dérimine ça va bien il va bien même connotation si son jeune fille qui va être côté lui dit oh regardez acteur non regardez moi moi mon pile oui c'est vrai vous comprenez ça veut dire il parle monde il t'a senti ça mais faut qu'on en fasse un dépassement de lui-même donc exactement. Moi même si moi la pression monde m'a dit monde ça pour qu'elle prenne dans l'autre sens bon baronnet non toute l'autre sens yo okay. Mais donc baronnet en tout cas ça qui vient joindre comme feedback pour sauter passer dans l'émission déjà, c'est que le public là très aimé Smoy Noisir. En tout cas, ça fait plaisir et mm-hmm. on connaît que moi-même et tout. Oh bon, très bien. So, non, on a parlé de. Enfin, on est dans le sujet. Il faut qu'on parle du public là qui sont gagnés comme activité. Parce que depuis qu'on a passé là ou bien dans l'émission, tout le monde a dit oh, ça le gagne là encore, ça quoi faire. Est-ce qu'on a un film qui est en production? Est-ce que gagne un bagage dit est-ce qu'on tire bail? Bail, mon yon primeur. Bon, pas qu'on ait un film en préparation, sauf que. Nous avons l'idée de film dans la tête, depuis un bon bout de temps. Mm-hmm. Et nous toujours parlé de lui, c'est le prix de nos bêtises, l'a trotté dans la tête nous depuis un bon bout de c'est temps. Mais le prix de nos bêtises. Ah, ok. Mais, alors, nous avons traduit en créole, mm-hmm. Choisis mal, coûte cher. Et pour déjà, bah, est-ce si que l'autre monde prend un nifel? Il ne va pas me déranger du moment qu'il fait exactement, même je ne l'ai souhaité le fait là. Oh! Et. C'est ça qui est important parce qu'en fait, ça qui est important dans la réalisation cinématographique pour nous personnellement, c'est partage, là, c'est message, là, c'est impact positif que la production gagne sur le public. Là. Mm-hmm. Et c'est ça qui est important pour nous. Sous quel titre là? Déjà, comment tu travailles sur lui? Nous avons fait, nous avons dit, inventaire d'éléments que nous avons mis dans le film là, pour, balle, mm-hmm. pour créer un intrigue et pour balle, une certaine valeur. Intrigue. Yeah, donc, ça fait son genre VIP.
C'est ça, nous voulons que son film qui fait moun rire, un film qui fait moun réfléchir, qui fait moun penser, et qui, là où fin gade li, au cap gon transformation qui fait nan yo. Okay. Ça fondamental. Ok. La bonne passion tout. Yeah. Oui. Mais l'autre préoccupation fondamentale nous c'est la question de l'éducation. Et nous pensons aujourd'hui que ça doit être une grande préoccupation société. Si, si nous voulons vraiment participer dans le changement que nous tout obtenons. Et alors, en parlant de changement, nous voulons surtout préciser ajustement, parce que nous avons un changement qui va avoir un avantage. Nous, tout. Okay. Nous pensons que aujourd'hui, la plus grosse préoccupation que chaque grand haïtien doit gagner, c'est l'éducation. L'éducation pour permettre nous ajuster l'attitude nous et ajuster le comportement nous, ajuster la conduite nous et qui permet que nous profiter de talent nous, de compétences nous et de toute richesse qui est dans l'environnement et qui est dans nous. Okay. On va supposer, on va intéresser par le de Star Parade parce qu'il est très loin. Ça paraît très loin, mais bon, nous avons toujours dit que l'invitation c'est pour 10 février, année ça. Et c'est près de 10 ans cette parade. Et parce que on a lancé la première édition en 2008. Mais son activité a toujours réussi. Toujours réussi parce que, bon, on a un état d'esprit qui n'a jamais changé la dernière. Cette parade, c'est un moment pour nous mettre tout le monde ensemble et pour nous rencontrer, pour nous yon avec compétences, nous, talents, nous, valoriser l'autre là. Donc, son état d'esprit légitime, nous pensons qu'il y a toujours une raison d'être là chaque année. Bon, je ne vais pas tourner l'émission autour de vous, mais on a parlé de choix profession, choix de carrière, et puis perspective, et puis bien-être. Je me sens bien dans ce qu'on fait. C'est ce que tu as toujours choisi l'autre timon? Et tout à fait, c'est la communication qui t'a toujours intéressé. Moi, je pense que si la communication n'a pas existé avant moi, c'est le premier monde qui a inventé là. Donc, moi, j'ai eu une chance et je ne crois pas que tout haïtien ait la même chance que moi, j'ai eu. Et aller dans la direction que moi-même, j'ai moi offert à moi. Et sans que les parents ne fassent des exigences ou bien obligés à aller dans l'autre direction. Okay. Et moi, je reconnais ça apparemment du fait que j'ai fait confiance. Comme Dakar dit ça, objectif principal là, et puis il dit choisir route qui quand même la donne. Donc, je pense que c'était peut-être la plus belle parcours, la plus belle réalité que un être humain qui a vivre. Il y a un pouvoir, il y a une possibilité pour choisir ce qu'on a souhaité, ce qu'on aime. Et je sens que c'est le plus bon choix de faire pour parler de ce sujet. Parce que le plus souvent, bien que moi mal placé pour me parler de ça. Parce que c'est pas ça que j'ai toujours rêvé que m'étudier. Okay. Comme si donc, comme premier choix. Je dis en sous plateau. Nous y a deux monde. Ouais. Deux monde opposés. Ouais. Et sa situation pas différent de un pile l'autre jeune. N'a parlé comme si mon la fin on pareil que parent t'ai imposé l'étudier ou bien t'ai posé le fait et puis qu'on y a li obligé travailler sous lui ou bien pas connait. Mais d'après ça, ou expliquer public là, c'est que vous même si vous avez toujours rêvé, c'est ça fait comme si l'homme nous est moi, ou est bien-être, ou est comme si c'est l'harmonie avec lui-même, avec tête lui. Et mais ça, c'est un bagage qui est très important, c'est ça fait nous avons décidé de parler de ça, parce que nous avons bien-être, qui ça fait nous avons parlé de bien-être au niveau de travail, qui ça fait nous pas bien, nous avons perdu tête, nous avons travail, qui stressé, qui a l'autre maladie associée, vu à ce que nous avons travail, que nous pas bien là-dedans. Ou même on fait un bagage que on remet pas de bonne pression, mais est-ce que vous ka font parler de moun yo comme si parce que on ti j'en connais presque tout Haïti parce que tu fais comme Kitanago et puis à cause de film ou machin pile ou son moun qui font pile touriste local c'est pression comme ou est pression parent yo sous choix profession ti moun yo bon pression parent yo pas unique. Dans la réalité haïtienne, il y a une pression société à tout. Ah, okay. Et c'est peut-être à partir de pression société qui fait parents et suivre. Parce que bon, il y a une ligne que société a doit développer et parents et pour l'obliger à suivre. Et la réalité haïtienne, non, par exemple, pas même avec la réalité américaine, non, par exemple. Et je pense que aux États-Unis, chaque monde vit passion. Yo. Ouais. Et où c'est footballeur, bien, on va jouer au football et où qu'à vivre à partir de métier footballeur.
ou c'est basketteur, ou qu'à vivre à partir de métier basketteur, et quel que soit. Ou qu'à faire carrière dans son fait. Dans sa nourrir main. Tandis qu'en Haïti, c'est différent. Il y a un pile préjugé, il y a un pile complexe. Et nous plus mettez accent sur métier de luxe. Enfin, ça nous mérite les métiers de luxe. Force ingénieur, force avocat, force docteur. Et en bout de chaîne, bon, nous pas ni on ni l'autre. Parce que bon, le nous embarquons et nous non. En profession, bien en métier, que nous n'avons pas ressenti nous la donner, nous n'avons pas aucune passion pour lui, nous n'avons pas aucune fibre, nous n'avons pas aucune vibration pour lui, bien nous passer à côté. Et moi, songer, moi-même, moi, c'est nègre qui passe en nuit dans la radio anti-internationale, par exemple, juste pour nous préparer une heure de temps d'émission le lendemain, parce que nous voulions d'abord la bonheur pour ne pas arriver en retard, pour nous faire préparation. Et dominer la radio de façon à ce que demain matin, nous nous lever frais et dispo pour nous, présenter. Nous présenter. Tandis que nèg qui fait sans qu'il n'ait pas de passion, il n'a aucun intérêt à faire ça. Si c'est un prisonnier. Ça qui est important pour lui tout, ce n'est pas bien servir. Ça qui est important, c'est faire plus l'argent peut-être. Et c'est dans la société ça que nous y aujourd'hui et qui fait que gain peut-être toute frustration ça et toute inefficacité que nous vivons aujourd'hui. Hein, parce que le pas gain passion, pas gain efficacité. Par exemple, pendant qu'on dit ça, je me suis dit, j'étais très jeune et puis j'ai une radio dans l'Antibonite, une radio non section communale d'ailleurs, mais qui était que mon yo une vision de mettre la radio. Hein. Ils ont des gens qui sont préval, ils prennent son dé, ils prennent les en cours pour mon dire qu'on est l'Antibonite bien. Et puis ils ont fait une émission dans la radio. Hein. C'est une catastrophe là quand même. Comme si mal fait émission en radio. Oui. Si jeune faut pas faire émission en radio, trop mon appon non, on va venir très léger. Vous comprenez comme si trop populaire. Trop populaire. On pas faire même toi marche, j'ai deux mois me faire, c'est comme on obligé quitter parce que j'ai tellement l'impression là quand même, chaque fois des fois c'est forme tellement mal dans marché, on une forme sauver et leur émission sont bail fixe, c'était 1 heure 2 heures des fois émission chansonnette française. Pour dire que comme si des fois et moi, comme si j'étais petit dans l'essai, je voulais venir un gros acteur. Comme si c'est acteur cinéma, comme si des bails pour. C'est ça, je voulais. Oui. Même pas même qu'à 10 ça là, quand même. Parce que j'ai une grande somme qui est un monde comme si. Très réservé. Oui, qui veut bails ça. Fermé. Qui parle ça très bien, acteur. D'ailleurs, il y a du souvent fait tel bagaille, mais qui route. C'est prostitué, c'est qui ça. Vous comprenez? Et d'autre part, par exemple, si j'étais fini faire film, je me dis. Et dans les cheveux, m'bralé, ou bien m'bralé faire cosmétologie. Bon, c'est ça, nous avons une société qui encourage nous fermer tête nous. Oui. Au lieu qu'elle encourage nous ouvrir tête nous, tant qu'on éventail. Et, oui. Et c'est ça que nous gagnons aujourd'hui comme résultat. Chaque monde a fonctionné peut-être à 15% de ça que vous avez fait vraiment dans le domaine que vous avez. Et au cas où ça, même dans la salle de spectacle, côté que nous avons envie d'applaudir, mais vous n'avez pas applaudi vraiment. Ou bien, il y a un applaudissement, mais à moitié. Donc, haïtien, pas. Étant zèle vraiment dans la dimension que le TKA est en ni, il y a des répercussions très malheureuses sur la société, sur la vie, sur la collectivité. Mais comment tout le monde a transcendé à tout ça? Bon, ben, moi, pense que moi-même personnellement, moi, j'étais. Ou bien, dis pas, on pas pressuré. Pas on pas pressuré, mais la société a été pressurée, mais on doit prendre tout dans la pression société, parce que tu es un pile préjugé, et ça que moi-même. Moi, j'étais engagé pour le théâtre, par exemple, et un peu plus tard le cinéma, et la radio, la télévision, il y a un peu de préjugés sur eux. Mais bon, je pense que peut-être c'était plus facile pour moi en tant que garçon, parce que bon, il y a plus de permissivité peut-être pour un jeune garçon. Moi, j'étais contre le théâtre, mais obligé comme si le problème qui vient dans le théâtre, bah, qu'on soit obligé pas arrêter longtemps. Problème de répétition, oui, c'est ça. Parents trouvent que comme si vous faites trop de temps dehors. Oui. Vous comprenez, ça veut dire, mais au départ, c'était route ça moi-même, j'étais prêt dans l'adolescence. C'était théâtre, radio, etc. Mais finalement, presque la donne. Oui. Même parce que la société a joué un rôle dans ça que nous y est. Entourage, nous jouons un paquet de rôle et dans ça que nous y est. Et nous avons une anecdote assez intéressante sur ça. Et à monde qui entourait nous et qui j'ai eu des influences sur nous par exemple et il a rapporté que gain trois amis qui étaient sur un bateau qui fait naufrage et puis bon on a eu fait une blague sur nous sur haïtien alors t'es gain un américain un français et puis un haïtien et puis pendant sur petit bateau qui après au fin fait naufrage sur un petit bateau et puis et gommage qui paraît qui dit nous chaque
nous avons fait, on veut, et puis m'a exaucé. Américain dit, bon, malheureux parce que je suis retourné rejoindre madame avec petite moi, que je quitte au plus vite. Là, je rejoins madame petite. Madame a exaucé vœu, je suis rejoindre madame à petite. Le français a dit, bon, moi-même, je quitte le business, moi qui a marché très bien, et je suis retourné à réintégrer le business. Moi, et hop, Maj l'a exaucé vœu. Et puis, Haïtien lui-même est tombé crier. Et puis, il dit, vraiment malheureux parce que j'ai eu deux amis avec moi, j'ai perdu. Est-ce qu'on a fait retourner moi, s'il vous plaît? Donc voilà, mais comme deux amis au tourné, ça que vous pas souhaité. Oui. Parce que tout simplement, vous pas apprendre nous accepter choix l'autre là. Oui. En pile fois nous plus souhaite tête nous que nous est l'autre là. Et c'est peut-être une raison qui fait que nous avons environnement côté que nous plus créer insatisfaction que nous créer bonheur et parce que accepter choix l'autre là avec beaucoup plus de tolérance avec beaucoup plus de respect permettre que non seulement nous-mêmes nous vivons plus bien parce que le nous à côté monde qui heureux le nous à côté monde qui bien avec tête yo et ben nous-mêmes tout nous bien avec oui, oui. C'est nous parler de ça de qui ça bien-être là et lui-même parce que c'est harmonie tête tout et puis avec les gens qui entourent, imposer un monde par exemple pour c'est ça que tu as souhaité que y ait à que lié. Donc automatiquement on crée ou crée un mal-être, ou crée un malaise. Oui, pas de bien-être. Et ça nous va pas parler de bien-être. Nous va pas parler de bien-être. Nous prenons besoin d'abtourner pour nous parler de comment définitivement nous identifier que on série de monde depuis à la base je choisis mal-être là qu'on dit. C'est moi dit. Nous prenons besoin d'abtourner. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centre Akalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centre Akalouvi l'école cosmétologie, estage pratique nan pays atak ou États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout konsalye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié nan Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même nan Delma 31, Rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Caca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis chevaux abrachés, yo cassé, boîte au calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séboré, si span gaspillé là, j'en passe par là, passe sans perdre temps dans Centraca, vin faire examen pour cheveux. Centraca, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraca gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centre Akal l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h AM à 5h PM dans Delma 31 rue Jacques Premier. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centre Akal c'est solution. Relez non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centre Akal pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après posant. N'oubliez pas de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est supportée par Centre Akal, centre de traitement capillaire. Quand vous avez besoin de faire un diagnostic pour chevaux, besoin de sa cheveux en gain, venez dans Centre Akal, dans Delma 31 ou Jacques Premier, tout prestation camionnette. Supporté tout par Centre Akal, école cosmétologie, une école de standard international, salle spacieuse, pour vous faites audiovisuel. Ouverture 7 novembre, pressez vite parce que place est limitée. Donc, supportez tout par Centre Akal, produit pour les cheveux, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, c'est relé dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Dis-nous qui zone où il y a un qui côté qui pi près pour acheter produit Centre Akal. Josiane émission Bien-être et Beauté, nous gagnons ce mois une fonti causer sur profession, choix de profession, choix de carrière. Dans première partie, nous était ensemble avec Smoy, c'est pression société avec pression famille nous. Les gens qui sont plus proches nous, disons, qui fait nous faire une série de choix. Et à ce moment-là, les nous fini, c'est l'argent. Combien de temps payé? Combien de temps m'a fait dans le travail? Comme si c'est ça, comme si on n'a pas savourer la profession, pas qu'à vivre ce qu'on fait. On va être simple, parce que les gens qui ont fait philo,
yo pral dans l'université, tout moun inscrit dans 5 facultés. Lo gade faculté que l'inscrit, pa gen yon ki rejoignent par rapport avec une formation intellectuelle. Automatiquement ta un jeune comme ça qui sont pensé. Parce que les confus. Les confus. Ah, ou te dit confusion ta vin parce que les confus. Et majorité dans nous confus et c'est une raison qui fait que nous obligé à choisir 5 qui côté nous aller. Est-ce que ou même honnêtement ou qu'a choisi 5 destinations voile dans eux en même temps? Non. Non, donc, c'est parce que yo fait, c'est parce que par contre premièrement dit ah, par contre qui est ma bon? Pas aucune explication qui ca justifier. Pas aucun argument qui a dit que c'est correct, c'est normal et c'est dommage. Malheureusement, nous avons une société qui fait le passé pour la vérité. Oui. Et son vérité inutile, parce que grand pile vérité inutile. Et nous croyons que les fondamentales, et c'est une raison qui fait que nous te mettons en phase sur la question de l'éducation. Oui. Éducation, c'est, j'en ai toujours même dit, c'est pas apprendre un métier, éducation. Ça, c'est formation que l'on formation, oui. Éducation, c'est apprendre à guider tout. Oui. C'est apprendre à choisir. Et il y a une plus grosse faiblesse de nous-mêmes haïtiens, c'est ça. Et là, dans le cas de figure qu'on a là, justement, et parce que nous n'avons pas choisi, parce que si nous avons choisi, nous n'avons pas pris 5 en même temps. Nous avons choisi. C'est option. Nous n'avons pas choisi. Il y a une option, il y a un choix. Oui. Deux mots, par exemple, semblent qui a soulevé dans tous les deux. Choix ou bien option? Ok, maintenant, moi je crois que faut que nous apprenions à trancher. Et c'est ça, choisir. Tout le temps, je vous l'ai dit. Oui, choisir. Choisir, il faut apprendre à choisir. Choisir, c'est trancher. Moi-même et Léonie, qui a soufflé? Pas qu'à dire tous les deux. Ok? Et nous-mêmes, haïtiens, nous avons ça pour habitude. Nous voulons tous les deux. Mais si on choisit, ça signifie prendre une, quitter une. Donc, nous croyons que dans le cas, nous avons choisi 5. Et 5 éléments, c'est malheureusement un monde qui confus. Et dans la confusion, il est difficile de prendre la bonne décision. Encore plus difficile de s'engager pour la bonne action. Parce que si décision n'est pas bonne, action n'est pas bonne. Et résultat. Mais est-ce que c'est faute de s'il fait ça ou bien c'est comme si c'est opportunité ou pas devant nous, il n'y a pas vraiment choix ou pas clair devant nous. En pile fois, c'est faute réalité la vie. Et nous parler de ça tout. Nous parler de société, de influence que le gain sur nous. Parce que si société a bien guidé nous, bien, si société a bien orienté nous, on sait que c'est une erreur que nous pas fait. Et c'est une raison qui fait que nous croyons en pile participation ou bien présence en élite dans la société. Élite la guider nous, élite la orienter nous, élite la motiver nous, élite la encourager nous. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas accuser l'école dans tout? Par exemple, dans l'école, on dit qu'il y a philo A, philo D, philo C. Un exemple de l'école qui gagne, choix de section, qui de cours que vous avez gagné, et même cotation dans le baccalauréat, pas même. Je dis tout le monde comme si qui fait philo A, il peut aller dans la section lettres, par exemple communication, tant que vous-même. Par exemple, moi-même, je fais section D, je fais sciences infirmières, je suis goumé pour choisir section D, parce que je suis bon dans le chiffre, direction de l'école, je voulais faire section C, je dis non, D, m'a fait. L'école là, c'est que c'est plus gros. C'est l'école là. Oui. C'est zone de déformation par excellence, là, l'école haïtienne. On comprend où tu là. Nous voulons dire. Avec tout respect que nous avons pour l'école là, mais avec tout aspect scientifique que débat que nous avons fait là aujourd'hui, on doit gagner. D'abord, nous avons l'école qui dit nous pas parler créole. Ça signifie. Exprimez-vous. Ça signifie pas parler avec maman, pas parler avec papa, le parler créole. Ça signifie charger avec complexe, le pour parler avec maman dans l'école ça. Ça charge avec complexe dans la société, à tout environnement public, je parle avec maman ou bien papa qui parle créole seulement. Donc, l'école n'a pas aidé nous. Pendant l'école, elle dit nous, Haïti est un pays essentiellement agricole. Dans même l'école, ça, elle n'a pas qu'à faire un test mathématique ou bien nous pas qu'à parler français qui a exigé nous parler. Le professeur a dit nous, on va le planter patate ou bien on va le faire mécanique. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est comme si la profession soit venue faire un jour. Qui fait que nous encore plus confus. Alors que l'école a de mener précision dans nous. Oui. Alors que l'école a de permettre de nous trancher. Et c'est une raison qui fait que les gens qui sortent de l'école n'ont jamais qu'à choisir non plus tout. Oui. Au moins, de bien dormi, bien réveillé, qui sont venus. Bien dormi. Et la confusion, c'est qui ça? Il y a trois types de confusion. Je mets tout en mi-temps problème et solution. Je dis, choisir entre problème et solution. Il y a 5 problèmes. Ou pas qu'on qu'est-ce que je choisis. Ça, c'est confusion 1. Oui. Je mets tout entre problème
et solution, yo di ou choisi. Ou choisi problème. Gen pil moun ki choisi problème à chaque fois. Ou ka étonné ouais ki quantité moun ki choisi problème. Et troisième confusion, c'est là où di nous choisi entre problème et solution. Et puis bon, par pur hasard, mais vraiment par pur hasard, on choisit solution, mais sans vraiment nous pas connait qui gens pour nous appliquer. Parce qu'en pile dans nous, nous choisit solution, mais nous pas connait qui gens pour nous appliquer solution. Nous connait solution, mais nous pas connait qui gens pour nous appliquer pour résoudre problème dans véritablement. Et c'est dans la réalité ça aujourd'hui hein, que nous retrouvons nous qui fait que nous docteurs, mais nous pas capable résoudre problème. Nous ingénieurs, mais c'est nous qui fait caille qui tombe sous tête nous. Hein. Nous c'est avocat mais on appelé des mauvaises causes là, causes qui pas même bon ni pour nous ni pour comme les amis qui bogotent nous. Et c'est malheureusement la réalité ça que nous trouvons aujourd'hui. Non mais m'a dit comme si par exemple avec comme si démarcation ça que éducation nationale vous t'mettez etc. Mais il pas aidé vrai les jeunes non fini. Par exemple tu as dit bon je me t'ai dit au départ philo A fait lettres. Philo D a fait l'agronomie, sciences infirmières, médicales, etc. Et puis, philo C pour le faire ingénieur, c'est science, c'est la faculté des sciences pour aller vous faire section C, etc. Comme si bah, comme ça. Mais les gens ont fini ou étonné que les gens sont inscrits dans la faculté des sciences, ils sont inscrits dans la médecine, ils sont inscrits dans l'agronomie, ils sont inscrits dans les sciences humaines. Quand ils ont regardé, ils ont dit bon, agronomie, médecine. Mais c'est ça, donc ça c'est toute preuve, tout ça dit là, c'est preuve de dysfonctionnement société, de dysfonctionnement l'école là. Enfin, c'est le résultat que l'école là bas là. Et qui mérite changer, je dis, hein, parce que l'école là doit permettre nous d'orienter tête nous. Il doit permettre nous de retirer ce scories qui dans nous et qui empêcher que nous voler dans la dimension que nous avons volé. L'école là pas de fermer nous. L'école là doit apprendre nous grandir, il doit apprendre nous découvrir tête nous. Il doit apprendre nous gagner une meilleure relation avec tête nous. Et automatiquement quand on a une meilleure relation avec tête nous, on a une meilleure relation avec le monde qui est à côté nous tout. Donc nous pensons que ça bien-être là établi. Voilà, l'école là est partie sous mauvaise base là et c'est ça qui bat nous toute dérive que nous gagnons aujourd'hui et qui fait que n'a pas évolué dans un environnement qui change avec mal-être là. Pas non, on dit ça vous m'avez pas net moi on connaît quelques monde comme si le jeune monde Roman de monnaie qui s'allait étudier, il dit on fait sciences humaines, on fait école normale. On fait pharmacie, on fait ethnologie. Et ceux qui sont travailleur, ça me joigne. Oui. Qui sont à un travail, ça me joigne. C'est ça. Donc nous pas des monde pratiques, même le nous passer l'école. Nous pas des monde pratiques et ou pas loin nous un pile complexe par rapport à tout métier manuel par exemple. Oui. Et agronome non, il est agronome mais il a refusé mettre mêle dans terre. Et mécanicien refusé mettre mêle dans parce que il y a des métiers c'est manuel. Et moi, je crois qu'on peut qui pas manuel, pas un peuple pratique. Et c'est peut-être une grosse différence ça qui gagne. Par exemple, dernièrement, j'ai entendu Valérie qui a dit Chili, profession manuelle, l'État subventionné, comme si c'est gratis si on jeune qui Chili. Eh bien, c'est ça, parce que nous avons l'État fonctionnel, nous avons l'État qui allait vers les solutions et non pas vers les problèmes. Or, nous-mêmes, Haïtiens, nous plus quoi dans le problème non, que dans la solution. Nous plus quoi dans la question hein, que dans la réponse. Là. Nous plus quoi dans la confusion hein, que dans la précision. Hein. Et c'est peut-être une raison qui fait que deux pigou héros, nous, c'est Bouki avec Malice. Et malheureusement, nous pas qu'à servir avec ni l'un ni l'autre. Moi, je suis certain que si je me demande qui a souhaité meilleur. Qui a souhaité ou même qui a souhaité. Pas ni l'un ni l'autre. Moi, je suis sûr et certain que la majorité Haïtiens commandé. Bouki ak Malice. Qui est sous ta remède? On ne pas dire tout haïtien. On a fait tout aujourd'hui, on va parler de Bouki ak Malice. Mais oui, mais pour qui ça? Tout haïtien Abdou, c'est Malice que tu as souhaité. Mais en fait, pour moi, dans le jugement par moi, Bouki ak Malice, c'est le même personnage. Le même personnage? Même personnage pour le simple, pour la simple et bonne raison que Malice, dans tête moi, c'est Bouki, le quoi l'intelligent. Parce que. Le quoi le pas égaré? Le quoi pas intelligent, nous préférons. Eh bien, nous pas voulu dire moi qu'on y a. Nous préférons pas faire expérience par égard. Ah, ok. Donc, nous croyons que je dis, il faut que nous allons chercher vrai héros. Héros qui aident nous résoudre le problème. Au lieu que nous allons chercher sembler avec héros qui permettent nous, qui fait que nous n'avons pas entretenu le problème. Non. Et puis, au fond, nous faisons des expériences qui nous permettent de nous changer. Et puis, nous comme des mouns imperméables, nous faisons premier erreur. Il passait bien nous de leçons. Et il y en a un plus bel texte peut-être que me partager avec les amis sur Facebook là, c'est ça. La différence qu'il y a entre la bête et la bêtise. Moi, je perds une machine parce que me frappons bœuf en le sur route nationale.
Je suis mort tout. Je ne sais pas si le bœuf est mort. Okay. Mais la machine est écrasée net. Et à chaque fois, même là, ce n'est pas nous qui faisons accident, mais nous avons nos amis. La machine est perdue. Nous avons nos amis qui perdent un bœuf. Nous avons des gens qui mourent parce que la machine ne frappe pas un bœuf. Mais à chaque fois que nous faisons expérience, il n'y a pas aucune disposition qui prend. La société n'a pas un réflexe pour prendre disposition pour que ça ne recommence encore. Donc, nous reproduisons même erreur à chaque fois. Nous imperméables. Et oui, pas servir de leçon pour que nous portions correctif, pour que nous portions correction. Parlons de métier manuel. Ça qui passe, c'est par exemple dans le temps, je dis dans le temps parce que quand il y a une école qui est tellement élevée niveau couture, qu'on ne peut pas permettre pour dire que c'est un raté, c'est un monde qui ne peut pas lire. Comme si les gens ne peuvent pas travailler à l'école, ils disent ah bon, certifié, ils veulent un certificat pour aller dans la couture. Ou comment ces petits garçons font le fait. Mais quand il y a, nous ne pouvons pas dire ça encore parce qu'avec l'évolution, coupant. Avec l'école tout qui vient, qui monte standard couture en Haïti, et puis il y a plusieurs autres capes en Je ne suis pas d'accord avec moi, parce que par exemple, il y a un débouché pour eux. Oui. Et que le préjugé a toujours été, peut-être pas au niveau de production, mais le préjugé a été au niveau de l'exposition. Hein. Bon, peut-être pas au niveau de l'exposition, à vrai dire, mais au niveau de présentation et éléments qui a fait que les marchandises là écoulées. Donc, il y a un handicap toujours qui fait que couturier, nous, n'est pas arrivé dans la dimension grand couturier étranger, par exemple. Et cordonnier, nous, n'est pas arrivé dans la dimension grand cordonnier, par exemple. Donc, non, l'idée, par exemple, c'était de montrer que les gens comprennent que c'est là où pas qu'on a, ou bien pas qu'on n'est pas arrivé loin de l'école, c'est là ça pour apprendre le métier manuel, même dit que qu'on y a préjugé, ça a commencé à tomber. Diminuer, mais à un faible pourcentage. Oui. Par exemple, dernièrement, une petite dame qui vient avec un lot qui vient inscrit dans l'école centrale à cosmétologie. Il dit bien mais nous même pas qu'elle dit papa me paye un cours cosmétologie pour moi. Ben, c'est ça donc la pas qu'elle dit ça le remène il dit m'a fini apprendre administration gestion c'est ça le voulait me faire et puis après ça pendant m'a travail m'a venir faire cosmétologie. Donc il y a un pile cas comme ça, il y a un pile cas comme ça et qui sont un véritable désastre parce que il pas un avantage ni parents yo, il pas un avantage ni timon yo tout parce que ils sont finis et puis c'est ça va le faire. C'est ça tous les deux gain frustration. Parce que peut-être que mécanicien qui ont empêché timon là hier. Peut-être que c'est lui qui a peut-être le plus gros mécanicien dans le pays, et qui permet que la mécanique évolue. Et qui fait que lui-même, il servit d'exemple pour tout l'autre qui a un métier manuel, pas nécessairement mécanique. Il a n'importe qui l'autre, cordonnier, plomberie, etc. Oui. Ça veut dire que c'est nous toujours dans la barrière sociale. Là, parce que nous, comme si nous n'étions pas fiers. Pour dire que c'est ça lié. Mais c'est ça l'école l'a dit. Quand tu as un problème d'estime de soi, tout. C'est ça que la société a voué comme signal. C'est ça que l'école l'a inscrit tout comme comme signal. Donc, n'est-ce qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit, ou bien n'est-ce qui pas fort l'école là, ou du moins ce qui pas adapté à l'école là, genre l'école là voulait lier, et ben, faut là le font métier manuel. Ça veut dire c'est un objectif émission ça. Et je pense que même si moi, je n'ai pas fait ça, oui. Ça me bosse comme responsabilité publique. Bon, c'est de monde, je me dis même non. C'est de monde connu, tant qui connaît le public. Là, c'est de monde qui réussit avec métier manuel, qui fait des exploits dans la société pour te mettre en valeur, mettre aux yeux de tout le monde. Pour montrer, parce que c'est pas être médecin, infirmière, et ingénieur, agronome. Comme si c'est ça qui permet nous gain bien-être. Qui permet nous gain bien-être, alors, ou bien qui permet nous réussir. Pas imaginer, nous faisons expérience il n'y a pas longtemps, parce que bon, nous voulons permettre que les amis qui sont à côté de nous comprennent la nécessité pour mettre les mains, pour servir avec les mains, qui sont les premiers outils que bon Dieu a. Et nous lançons un défi. Alors, après Irma, à l'arrivée de Irma, cyclone sous le territoire là, et sous Haïti, et puis nous t'étais tête, nous, ben, que Irma frappé Haïti, que le pas frappé Haïti, on a planté 4 pieds bois chaque mois. Nous baillons tête, nous défis ça. Il n'a pas invité chaque zami nous gagne un sillage nous, pour nous baillons tête, un défi. Et un défi pour reboisement, un défi pour environnement. Et la première expérience planter pieds bois nous faire. Qui cause tes premiers faire? La première expérience là, c'était la Coubreda. Ah, okay. Avec des amis. Dans le pays où, regardez où, dans la zone où. Alors, il arrivait comme par hasard, par même, exactement, même gens que nous habillés, moi-même avec vous, avec même couleur sur le plateau. Par hasard. En plus, le monde a dit que bon. C'est coïncidence. Mes amis, coïncidence, hasard, plus hasard. Il y a des bails le mot. Donc, et il y a invité mon cap dans l'activité, et puis bon,
comme moi voulais profiter de moi en novembre, je me planté premier 4 pieds bois mur et puis moi j'ai demandé des amis mieux, est-ce que vous avez fait arrangement moi? Est-ce que la Coubrida a des côtés pour planter? Et effectivement, la Coubrida était chargée avec espace. Et nous nous rendons compte que bon, c'était peut-être le meilleur côté que nous avons choisi. Parce que 4 patates suffit. Nous avons même fait un plan et pour nous continuer à planter. Et de fait, Atis Planche planté tout après que. Donc, nous pensons que c'était une plus belle expérience que nous avons fait. Nous avons mis main pour nous produire. Okay. Et, pas seulement planter, pas seulement planter en pied bois, mais planter responsabilité qui manquait nous-mêmes haïtiens et qui fait que en pile fois nous allons planter, mais c'est enterrer nous enterrer Jean-Valérie Numa et habitué dit. Et planter puis belle expérience que le gars là dedans c'est suivre pied bois qui a grandi à tout. Et pour pied bois a grandi, gon responsabilité, gon engagement. Faut accompagner, il faut l'arroser chaque matin, faut regarder qui ça le manquer. Est-ce que dans la zone côté l'IA et pas gain bête, est-ce que gain moun capable marcher sous lit, etc. Donc c'est tout en mise en place qui peut permettre que pied bois pousser véritablement et accompagner le fin pousser pour le produit, pour ça la produire une baguette au gaspiller tout en bas pierre parce que son bail qui arrive très souvent. Mais nous pas manger ça nous planter. Et si moun qui t'est planté au yo chaque que te dit ça nous même nous pas besoin pour manger même j'ai avec anecdote ça que moi toujours aimé rapporter à petit petit qui dit papa combien de temps ça prend pour un pied coco et fait coco et papa papa a dit mon pas gagne tambour là-dedans et puis dit ah ben si m'pas gagne tambour là-dedans m'pas planter un pied coco et puis papa a dit mais si on l'autre pas de planter pour est-ce qu'au même t'as besoin donc faut qu'on plante pour l'autre qui a joindre. Donc moi pensais que en pied lame par exemple prend 5 ans pour commencer produit m'espérer que ma plante en pied lame que me planter au capio m'espérer ma plante pour pied mango et mango que me planter m'espérer ma plante. OK, c'est ça. N'a proposé n'a tourner pour nous parler 1 2 3 qui ça pour jeune yo faire pour choisir métier yo et puis pour capable jeune bien-être normalement tout le monde rêve. Mes amis, tendez yon bonne nouvelle. Centre Akalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centre Akal l'école cosmétologie, estage pratique nan pays à tankou États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout konsalye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié nan Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Kaka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis chez vous abraché, vous cassez, vous êtes calé, puis chez vous sensible. Ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séboré, si span gaspillé là, j'en passe par là, passe sans perdre temps dans Santraka, vin faire examen pour cheveux. Santraka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Santraka gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centre Akal l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h AM à 5h PM dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centre Akal c'est solution. Relez nan 31 53 55 39 43 06 42 85. Centre Akal pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après pause là, on va suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. C'est une émission qui est supportée par Centre Aka, Centre de traitement capillaire, Centre Aka École Cosmétologie, Centre Aka Produits pour les cheveux. Nous avons rappelé Mounio, 19 novembre, nous avons une foire, qui est la foire du bien-être, que nous avons un pile de monde qui là, nous avons fait conférence débat, nous avons là pour répondre aux questions. Sous bien-être, sous cheveux, etc. Et ce mois, il dit dans la coulisse, la plat. Non, je joue ça. Nous avons plusieurs autres mouns encore. Cap là, 19 novembre, dans le centre à Canadelma 31 rue Jacques 1er. Toutes prestations
tap tap là en les monde pour monde qui bien connaît Delma, li facile parce que camionnette rivé tout près sans tracas. Jodi an émission bien-être et beauté n'a parlé de choix de profession, choix de carrière, comment ça li déterminer bien-être yon monde. Et tout le monde comme c'est qui a travaillé ce mois, qui a une profession ou bien qui a une activité qu'elle a fait, la comprend très bien, les la font bagay que le pas aimé. Et s'il t'a souhaité au fond, ils font expérience de l'air à font bagay que aimé. Moi pour exemple moi-même et Walden dit jour où mon ta vinn dans centre ca. Il vient pour me faire travail dans cheveux pour lui me dit pas bien, la faire elle. Parce que son bagay tellement aimé même si malade qu'on gon client me fait. Oui. Il gon bagay automatique. Je suis malade, couché, et puis je viens dire, ah, mais vous m'avez dit, vous m'avez demandé. Et puis je me dis, mais ok. Oh, je me fais longtemps. Oui. Comme si ce n'est pas même énergie positive, ce n'est pas même, même fait expérience de pratiquer un bagage qu'on remet. Il y a plusieurs métiers que je fais, je fais couture, je fais cuisine, je fais cosmétologie, je fais gestion de projet, je fais sciences infirmières, mais pas un bagage pire mais que travail dans tête au monde, travail réalise un bagage dans cheveux au monde. Pas un bagage qui bon autant de plaisir. Ben c'est clair. Ça nous fait avec passion. Ça nous fait que nous aimons valoriser nous. Oui. Et ça nous fait que nous pas aimons tout, nous dévaloriser. Et c'est tout le monde qui voit comme si l'offre font bah ouais mais oh ou même tout le monde tout ça, ah ouais, affaire chez vous aimez vous. Oui, comme si nous fait avec passion. Donc si nous fait nous pas aimons, n'a dévaloriser ça n'a faire. Et en même temps, n'a dévaloriser tête nous tout. Parce que si nous pas docteur, c'est mécanicien nous souhaité et puis nous fait docteur, ben nous dévalorisé métier. Et moi pensais que ça arrivait en pile en Haïti malheureusement. Et c'est peut-être une raison qui fait que je dis on est malade au lieu que l'être en Haïti, c'est on l'autre côté le choisit aller. Oui. Raison qui fait tout peut-être que nèg qui était en Haïti, yo malheureusement très insatisfait de résultats que joignent. Et nous cap prendre pour dans milieu médical là mais nous cap prendre dans n'importe dans n'importe quel autre domaine tout. Aujourd'hui, gain plus confiance, on dirait sous compétences qui sortent à l'extérieur et à niveau égal que compétences que nous gagnons dans la caille. Donc nous arrivons aux limites côté que nous déconstruit société là. Ouais. Parce que confiance c'est peut-être il y a gros investissement que en société qu'a fait. Faut que monde qui bon côté nous yo nous fait confiance. Faut que nous-mêmes monde qui bon côté nous fait nous confiance tout. Et c'est comme ça que en société qu'a fonctionné, comme ça en société qu'a une fonctionnelle et li ka produit ressources et l'argent que Haïti a cherché. Ah oui, tout n'est pas ça foi. Là fait l'argent ça. Nous remet l'argent en pile. Mais nous pas conscients que pour nous faire l'argent, faut nous efficace. Ouais. Nous pas conscients que pour nous faire l'argent, faut nous produire. Faut nous mettre maintenant en terre pour nous faire production. Parce que tu as un politicien français qui te dit éducation, l'éducation est avant le pain. L'éducation est le premier besoin de l'homme. Avant le pain. Avant le pain. Alors, il dit après le pain. Après le pain. Café pour l'éducation, ça? L'éducation est le premier besoin de l'homme. Je me pose une question, je me dis, mais si nous pas éduqués, comment on a fait pain? À quelle discipline que nous prenons blé pour nous transformer, pour nous faire faire farine? À quelle mesure? Dans quelle dose que nous fait? Qui vient nous connaître pour nous cuire pain? Qui vient nous transformer en pâte? Qui ça nous va ajouter là-dedans pour nous pain? Est-ce qu'on a connu qui ça pour nous manger véritablement? Donc, je pense que l'éducation, c'est le premier besoin de l'homme, et même avant le pain. Parce que le pain, quand là, et puis par manque d'éducation, on ne peut pas nous manger. Ou bien nous n'est qui fait nous faire le mal. Oui. Ou bien nous-mêmes, nous manger le mal. Et c'est une raison qui fait que moi, je crois que je dis un plus gros travail que nous devons faire dans la société, c'est ajuster l'éducation pour que. Dans un premier temps, éducation, c'est le premier élément. Et exploitation ressources, nous. Parce que bon, j'ai planté pieds bois pour nous avant même. Oui, toute bagaille nous fini. Donc, pieds bois, on doit produire, et puis nous, en bas, pieds bois, on produire, et puis nous, on va exploiter. Question directe, moi. Si un jeune me dit, pour qui ça m'a appris là pour réussir en Haïti? Qui ça m'a appris? Depuis souvent, c'est ça m'a dit, qui ça m'a pour m'apprendre pour que je travaille plus vite? Qui ça m'a appris pour manger plus vite? L'expression la ria. Ça t'a dit?
Je ne peux pas répondre parce que moi, je crois que la première démarche, là, c'est comment nous sommes utiles, tête nous. Et automatiquement, que nous posons tête nos questions, comment nous sommes utiles, tête nous, eh bien, un grand ensemble de bagages que nous avons commencé à faire pour tête nous et qui a servi de premier élément pour nous connaître qui ça pour nous faire pour l'autre là tout. Vous avez besoin de médecin manuel ou bien université, qui ça? Qui ça pour nous faire? Moi, je pense que le métier manuel manquait en pile en Haïti et dans l'efficacité. Et je dis, je m'a entraîné tête moi pour me servir avec moi. Et c'est une raison qui fait mal planter. C'est une raison tout qui fait que parfois. On ne peut pas apprendre à planter. Et moi, j'ai beaucoup de petites notions. Eh bien oui, mais je ne peux pas apprendre. La petite notion, vous êtes d'accord avec moi. De temps en temps, on va monter une notion, mais on va l'expérimenter. Parce que attention, il faut une notion et vérifier tout sur le terrain. Il faut pied bois mieux pousser. Non, mais qui est-ce qui fait suivi? Et pas moi qui fait suivi. Et pas moi qui fait suivi, mais pied bois va le pousser. Oui. Et si pied bois est bien poussé, toute gloire là pour aller venir pour tuteur, moi. Et les gens qui t'ont accompagné. Parce que monsieur, c'est un groupe qui va accompagner en seul, ou l'accompagner peut-être plusieurs autres. Oui. Et c'est toute une équipe que nous mettons en place. Oui. Parce que son mobilisation pour ces pommes graines nègres qui plantent, il faut que l'entourage là tout participe pour que le résultat arrive. Même là, ma produit. Non. Travail manuel qu'on a essayé de faire. Chaque matin, le me lever, c'est moi quand j'ai carbone, moi. Parce que. Oui, bon, pas de habitué à faire. Donc, je pensais que c'est un geste, pas pour un j'ai carbone, non seulement, mais c'est un geste de responsabilité que nous, chaque, nous avons baillé tête. Et nous sommes sûrs et certains que c'est des gestes qui peut-être paraissent banals, mais qui sont fondamentaux dans la société. Moi, j'apprends à laver la machine, moi, tout. Et à chaque fois, malheureusement, qu'on a mis vini, yo, ouais, m'a plavé machine. Moi, je dis, mais non. Vous êtes capable de 150 gouttes. Bon, fais le bout. Et alors, ça, c'est les amis qui étaient peut-être, t'as supposé venir laver machine, mais qui ne pas comprendre que m'a entraîné tête, moi, pour me faire bail, qui est inhabituel. Parce que m'a pas entraîné tête, moi seulement, mais m'a pas entraîné même pour me défaite, moi, de l'ensemble de complexes que la société a nous. Et pour vous, on signale tout, l'autre monde qui est beaucoup mieux et qui a hésité. Parce que si je fais, ben au même temps je En tout cas, d'après ça nous dit dans l'émission, parce que l'émission en sens c'est fini, c'est dans la dernière ligne droite, dans la dernière seconde, Dieu nous rete. Bien-être dans la profession, dans ça mon apprendre. Un, deux, trois, qui ça vous m'en fait? Bien-être là intérieur d'abord, bien-être là pas extérieur. Bien-être là c'est dans nous d'abord que lié. Et si nous en harmonie, en bonne harmonie, en parfaite harmonie avec tête nous, on a qui ça vous fait. Et on a qui ça vous ne pas fait, on a qu'à choisir. Parce que bon, moi je crois que. En nos sociétés, côté que nous apprenons tête nous gain bien-être, nous pouvons évaluer ça qui manquait à côté nous. Parce que je pensais que chaque monde gagne au moins deux bonnes aptitudes la caillou. Un, aptitude manuelle et deux, aptitude intellectuelle là. Mais il est plus évident que nous avons une attitude manuelle. Donc, pour les gens qui beaucoup jamais connaissent ça ont envie de faire et qui ont envie de faire, ils ont qu'à le planter tout simplement. Parce que je ne crois pas que nous avons besoin de pile bail pour nous apprendre à planter. Mettons un grain de mango dans la terre. Il faut qu'on ait la lune, qui tranche la lune. Il faut qu'on l'apprenne après. Il faut qu'il y ait des plantes, ces boutures, qu'il y ait des grains, qu'il y ait des forfaits pépinières d'abord. Vous comprenez, il faut qu'on tout ça. Eh bien, vous pensez que si vous mettez un grain de mango dans la terre, il ne va pas pousser. Il y a des gens qui peuvent mourir pour ça. Mais par contre, soit le couper devant ton aigle ou le ballon coup de bistouri ou pas contre qui ça vous fait. C'est puis go tort qu'on a fait. Donc, je pense que dans le métier, pas maintenant, par exemple, dans le cinéma, par exemple, moi, quand ça me voulait hier, personne ne va mourir. Mais il y a des métiers, là, après, il ne faut pas qu'on qui soit fait, et particulièrement dans les métiers sensibles. Tant que, par exemple, génie, tant que avocat, tant que ingénieur, qui c'est des métiers que nous considérons comme des métiers de luxe, eh bien, ils demandent nous plus sérieux, ils demandent nous plus efficacité, parce que si nous mal faisons, nous allons mettre la vie moune en danger. Or, vie moune, c'est fondamental dans quel que soit le métier que nous avons choisi. Moi, c'est ton plaisir, vous me dites qu'on a bien été et beauté. Pour mon dernier mot, c'est la fin. Et moi, tu as seulement aimé poser une question avant de finir, parce que vous posez une question. Et si tu as choisi entre. Un mécanicien et un philosophe qui soit choisi. Bon, c'est quand même qu'on choisit ça. Pas profession, m'a choisi. M'a choisi mon nom. On choisit mon nom. Parfait. D'accord. Okay. Ça veut dire que c'est pas profession, m'a choisi. Moi, je pensais que avant que nous apprenions un métier,
métier qui plus facile que nous apprenons, c'est le bon raisonnement. Et seul un philosophe peut faire le bon raisonnement. Il n'y a pas prendre un pile temps pour nous apprendre la philosophie. Il prend un petit temps pour nous observer dans l'entourage, non seulement parce que chaque être humain sont philosophes. Et nous avons besoin de l'école pour apprendre la philosophie. La philosophie, c'est en bonne harmonie avec tête nous, en bonne harmonie avec le monde qui est à côté nous, en bonne harmonie avec l'environnement nous, aussi simple que ça. Et aussi, si tout que nous réussissons à mettre nous dans cette situation, ça, eh bien, choix nous, non pas seulement un avantage nous, et un avantage environnement nous. Très bien. Bon, c'était, vous avez suivi l'émission Bien-être et Beauté, qui est nous qui passait chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission disponible sur YouTube, tapez émission Bien-être et Beauté et vous avez une pile émission que vous remet en pile. Rappelez-nous, date 19 novembre, rendez-vous Centre Aka Tête Droite Delma 31, une fois entrée à gratis, ni pour exposants, ni pour les gens qui viennent. Seulement, venez à un petit chocho pour acheter, pour faire un petit plaisir. Et puis, venez, vous avez une pile. Opportunité pour poser question avec quelques monde dans la société à Donsmoy Noisy cap là et puis pour capable joindre bien-être là dans foire parce que foire les foire du bien-être c'était avec nous Léonie Desroses infirmière cosmétologue trichologiste cap dit nous remet nous en pile à bientôt.